Kinder. J'espère au moins que tu passes un bon live, un bon moment sur ce live là. J'aurais tellement rêvé d'un projet Solary avec Twixlash au bon temps. Bah en gros c'était les plans qu'on avait en tête à l'époque, hein, no joke. Hein. Et normal, tu vois, genre tout le monde est au contact de tout le monde. Donc ce genre de plan, bah ça rentre dans la tête de certains, puis après eux peut-être ont la chance de le faire mûrir ou de le faire exister. Voilà, je dis pas, mais peut-être qu'il y a eu une influence de Twix, Lesh, Zerator sur sa core qui fait qu'aujourd'hui il a lancé Solary avec une nouvelle génération de streamers, etc., etc. Tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui sont liées et personne ne s'en rend forcément compte, même sa core peut-être s'en rend même pas compte qu'il a été un minimum influencé dans ce genre de choses-là. Et c'est très positif hein, quand je dis influencé, hein, c'est positif. Hein. Mais ouais, clairement, c'était, on en parlait énormément à l'époque, hein, mais personne n'a. En gros, c'était, pour moi, c'était Zerator qui devait faire ça. C'est celui qui était le mieux placé à l'époque pour faire ça. Et bah, il a choisi un autre destin, hein, on le connaît. Hein. Et personne lui en veut, tu vois, normal, tranquille. C'est le game. Mais je pense que c'était le seul qui était capable, comme il avait fait par exemple avec la ZTV, ce genre de choses. Après, je comprends totalement que c'était peut-être pas les responsabilités qu'il avait envie d'avoir à ce moment-là de sa vie, quoi. Non ! Tu vas mourir, oui ! Donc, je comprends aussi, tu vois ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, 4-5 ans après, il y a plein de choses qui ont changé, tu vois. Non ! C'est pas ça. Mais ouais, pour moi, c'était Zerator qui avait ce vrai pouvoir-là de créer ça et du coup de bypass un petit peu tous ces arrivistes. Mais du coup, c'est bien. C'est bien qu'aujourd'hui, bah maintenant après aujourd'hui, l'influence a pas mal bougé, quoi. Y a pas une seule personne qui domine, tu vois ce que je veux dire. Genre, le game est tellement étendu, tellement large maintenant que il se passe plein de choses en même temps et du coup, c'est très bien aussi. Mais à l'époque, il y avait un seul truc. Ça aurait été bien que ce seul truc soit géré par des. À l'époque, par des gens qui avaient un meilleur flair, si on peut dire ça comme ça. Après, finalement, moi je suis pas mécontent de ce qui s'est passé, parce que du coup, ça a donné ce qui se passe aujourd'hui, et je suis très content de la situation actuelle. Boum. 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 C'est chiant. Oh là là, ce joueur. C'est pas le meilleur bail de faire sonner ça, quoi. Enfin bref, arrêtons de parler de ce genre de choses. Je vais devenir nostalgique, j'aime pas. J'aime pas parler du passé. Oh non 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 non. Un PV. Le 1 PV. Le 1 PV c'est... Normalement quand t'as un PV tu peux pas mourir. Genre c'est genre... Il se passe un truc qui fait que tu peux pas die. Bah ouais. Merci le Zek pour le message, ça fait plaisir, j'ai vu. Boum. On est reparti. Comme si de rien n'était. Ah gros, tu m'as laissé un PV, hein, erreur. Erreur. Putain, j'en ai marre de ces guns de mort. Du coup, j'ai pas pu ramasser la M4 en... Wow, il s'est passé quoi là-bas? Tu vas se mettre avec des potes ce soir, il a pas eu le message de Domi? Non. Où? Sur le jeu? Arrêtez! Laisse-moi juste ramasser là. Non, j'ai pas eu le message de Domi, il était où? Sur le chat? Sur le chat? Go duo la prochaine si tu veux l'ami. Ah, je viens de voir. Ouais, si tu veux, vas-y. Go, go, go. Go la next. Avec plaisir. Merci le chat de m'avoir fait remarquer, j'avais pas fait gaffe. Ça va être très dur là. Oh là, 32. Tu sens à la fin le mec qui craque en mode qui feed son chargeur. Il doit être low quand même hein, après ce fight. Je pense que c'est les mecs derrière surtout. Je suis pas sûr.
Comme je vous dis, j'ai mal aux yeux. C'est lui ou moi? Oh là là, il est très low. Hein. On est tous les deux très low. Mais là, je suis obligé d'aller au bout du fight parce qu'il faut aller que je loot, faut que je loot. Allez quoi. Il faut une trousse. Je crois qu'il a une trousse lui. Oh là là, il a pas de trousse mais il a du bandage. Avec mes 5 HP là, je fais peur à personne. Hein. Il y a un truc de fou, chaque jeu auquel vous jouez, vous avez un bon niveau, c'est fou. Ouais, mais je pense du coup que c'est genre... Enfin, on a un bon niveau, on est ok quoi. Mais c'est parce que du coup, on est habitué aux jeux vidéo depuis très jeune, donc du coup, on s'adapte très vite et... Finalement, d'un jeu à l'autre, il y a plein de choses qui se ressemblent. En tout cas, la manière de penser est quasiment la même, c'est plus psychologique. Et tu comprends qu'il faut que tu prennes le dessus sur ton adversaire, tu comprends quand lui il a l'impression, enfin... C'est plus... au niveau théorie, en tout cas, on est calé quoi. Après, du coup, c'est que de la pratique avec l'entraînement... ça va quoi. Après, il y a des jeux, mon gars, je suis horrible. Hein. Mais c'est souvent des jeux auxquels j'ai pas pu pratiquer du coup. C'est vrai que du coup, si je pratique un jeu, normalement, je commence à me débrouiller assez rapidement. Bon. C'est quoi le plan là? Parce que c'est une game, on est pas méga bien. Il reste personne là-bas là. J'ai pas eu le temps de tout loot, mais j'ai pas envie d'y retourner. Me dire je joue depuis des années, je suis toujours une merde. Ah bah je sais pas alors. Je sais pas mon gars, moi je peux pas t'expliquer comment ça se fait que je suis bon à entre guillemets beaucoup de jeux quoi. Je ne suis pas psychologue. Je sais pas si c'est un psychologue qu'il faudrait voir pour ça. Vas-y la M4 c'est tellement mieux là frère. Neymar de la Scarl. Boum, 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 ça bourrine. Voilà, Mehdi 17. Mehdi 17, joueur solide. C'est lui là, Mehdi. C'est mort, Mehdi. Carl de merde. M4. Voilà M4. Personne n'avait un peu de shield? Un peu de shield, s'il te plaît, donne du shield. Et donne du shield. Je t'en supplie, donne du shield. Un peu de shield, s'il te plaît, un peu de shield. Mais du coup, je suis obligé de garder Karl et M4 parce que du coup, elle est légendaire et je me vois pas acheter une légendaire quoi. Team Skull! Pas du tout. Pas du tout, Team Skull. Je te veux, toi. Je pense que tu as compris que je te voulais. Je
C'est où? Il y a l'autre derrière aussi. Putain, mais montrez-vous, bordel! Rien que ça tire dans mon dos, là! Vas-y, dès que je suis de face, y'a personne! C'est les pires! Mais regarde, regarde-moi cette sous-race, là! Du matériau, hein. Regardez-moi cette sous-race là. Je veux le voir. C'est moi qui ai tiré là? Ça y ressemble. Attends, je me fais rush là. Regardez la strat. Regardez la strat, regardez la strat. Non! Oh là là, outplayed, motherfucker! Amen! Amen tes trucs là! Mec, je fais des labyrinthes. Et hop! Hop, personne le connaît celui-là. Tu sais, il y a des pièges dans mon, dans ma construction. Tu sais jamais où est-ce que le mec peut passer. Yo, vous avez vu la strat ça aussi? C'est une strat, de ouf ça. Problème de remonter. Ah, tu fais du LOL après? Non, je pense pas parce que je vais couper live assez tôt. Vu que je dois aller à la PGW après. Team Skull. Oh, le 238 fait plaisir. Team Skull toujours. Hein. Tu vois là par exemple, je l'ai ramassé. Il est pas venu dans mon stuff. Ça tout le temps. Juste m'assurer qu'il y a personne derrière déjà. Pas bien niveau PV, j'ai pas chill, j'ai pas le droit à l'erreur en fait. J'ai hâte de courir comme un mongol du coup. Pour le bug du ramassel, il ne faut juste pas swap. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que moi je swap trop vite. Mais je sais, j'ai bien capté le problème. Il
Il reste combien de... Ah, il reste que 7 mecs. Putain, je me suis pas rendu compte. Je regarde jamais combien de mecs il reste. Pas loin. Oh, attends, il fait des mauvaises constructions là. Ah, oh, je m'applique là. Oh, beaucoup trop bas, je suis con. Allez, Dwag. Fais un effort, Dwag. C'est le moment. Voilà, je peux plus faire grand chose. Là, je ne peux plus faire grand chose. Mal placé. Je suis tellement mal placé, je devrais tellement me faire discret là. Oh lol, s'est arrêté. Ça va, elle est bien ta construction. Genre la mode Hein? Ça m'a l'air pour moi ça. C'est mort. Ah, faut que je tempo. Nice! Plaisir, parce qu'il a tellement l'avantage sur moi, ce fils. Team Skull. Se débarrasser de ça. Yo, salut mec, ça va toi aussi? Puis tu vas bien? Ça se passe pour toi les affaires? C'est chiant que ça se termine en bois. Une porte de sortie quand même. Tu fais la tour Eiffel. Et c'est PS4 peut jouer ensemble ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Il reste combien de personnes? 4 personnes? Faut au moins qu'on fasse du 10 kills. Bon, tu me diras si je dois faire top 1, je ferai au moins 10 kills. Attends, il reste 4 personnes là-dedans là? Dans tout ça? What? Caché où? Vas-y, je vais enlever la musique. En gros, là, le problème, c'est que je suis pas bien parce que j'ai pas beaucoup de points de vie, donc je peux pas jouer agressif. Donc, en gros, en vrai de vrai, ce serait bien qu'ils s'entretuent entre eux et que je termine le truc. Quasiment mon meilleur moyen de faire top 1, ou alors que je mette des grosses balles de snipe. Mais lol, mais ils sont où? Comment c'est possible qu'il reste 4 personnes là-dedans? Forcément, un mec pas loin de moi. Ça bulle d'en face. Non? En face où? Ça c'était moi ça. Ça aussi, celle-là là, cette base là tu penses? C'était moi aussi. On m'a peut-être volé ma place.
Je vais me barrer. Tout va s'accélérer. Pourquoi je suis accroupi comme un mongol? C'est bien, battez-vous. Oula, c'est bon, je les vois. Hey, bien, bonjour monsieur. Bah bienvenue ça. Bien vu ça frérot. Bien vu ça frérot. Je peux pas aller le déranger là, le mec qui a gagné son duel de l'autre côté. Ah tu viens me niquer moi. Non c'est bon, tu le niques lui, bien wesh. Toi laisse moi tranquille toi. Non je préfère être hors de la zone. Qui gagne? T'as gagné. Toi qui a gagné. C'est toi qui a gagné ton duel. Oula. Ah merde, il reste encore deux mecs. Je pensais que c'était fini. Bon bah, plus qu'un. J'ai mal compté. Il est où? J'ai mal compté. L'autre jour, je pensais que j'étais en 1v1 contre lui, je vous jure. Finalement, ça m'a fait jouer genre libéré. Où est le dernier? Derrière cet arbre? Derrière ce caillou? Ah ouais. Il est mort. Oh quoi? Oh il a... Quoi? Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Quoi? Je suis un guerrier. Quoi? Yes. J'ai failli faire le pire truc au monde. J'étais en mode ouais, t'attaques, c'est la roquette. J'ai vu un gros 150 apparaître, le mec est encore debout, il est en mode... T'as vrai zombie, type. Merde, ma gueule. Merci Last of His Name pour l'abonnement Twitch Prime, merci poto. Pourquoi tu m'as un donné?